Pour ceux qui ne savent pas, pandémonium, ça veut dire quoi? Pandémonium, c'est le, au sens étymologique, c'est la mythologie, c'est la capitale de l'enfer. Et puis par extension, comme c'est un lieu où règne la corruption, le désordre, etc. Donc c'est un, je pensais que c'était un bon nom pour un vide dans le monde. Thank you.
que j'aime bien dans les Big Bands, c'est qu'ils aient la même souplesse de fonctionnement qu'une petite formation. Parce que je trouve, mais ça c'est un point de vue personnel, que les Big Bands sont souvent trop structurés, trop de musique écrite. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver l'équilibre entre ce qui est écrit et la partie improvisée. C'est un mélange après lequel on court sans arrêt, sans jamais vraiment l'atteindre. Mais il faut courir après. J'utilise depuis 4-5 ans, et avec Pandemonium, là, une technique, un langage d'improvisation, composition en temps réel qui s'appelle le sound painting, et qui est uniquement fait à partir de signes. C'est un langage de gestes qui permet de déclencher plein de choses. C'est un langage qui a été inventé, développé, qui continue à développer par un musicien américain qui s'appelle Walter Thompson. Il travaille là-dessus depuis 15 ans. Moi, je l'ai rencontré il y a 5-6 ans. Puis on travaille ensemble maintenant. Et ce langage qui fait à peu près dans les 700 signes maintenant, avec juste deux mains, et permet non seulement de mettre des musiciens des musiciens, des danseurs, des comédiens, des plasticiens, des techniciens du son, de l'image, etc. C'est vraiment un langage complet qui permet de faire plein de choses. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Survivant Jean-Jacques Justafray au corps. Au trombone Daniel Zimmermann. Au tuba Didier Avey. Au saxophone ténor Sylvain Riflet. Et à l'alto Thomas de Port. À la batterie Joe Kwitzke, à la contrebasse Sébastien Poisseau, la voix est celle de Jessica Constable, au piano Émile Spani, et une attention toute particulière pour Vincent Perani puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, on vous laisse, à bientôt, au revoir, merci.